premier étage. Moi, je veux dire, moi, quand tu me dis premier étage, ça sous-entend qu'il y en a un second. Non mais je l'avais vu, hein. Alors, vision d'ensemble, il y a un portail magique. C'est pas une super idée. C'est pas la best idée du monde de prendre un portail magique que tu connais pas. Putain, mais il y a de l'or dans ces caisses. Il y avait un piège que j'ai honteusement évité. Ah mais j'évite mes pièges. Et mais j'ai des jets de réflexe. 34 versus D12. Ok, donc en fait ces pièges c'est nul. Bon, on va pas se mentir, Dalin, j'ai pas confiance. Allez, on y va quand même. Ok. Ah bah il est là. Bonjour. Bonjour. Non mais bonjour, hein. Ouais, Nave, c'est ça. Tu as donc. D'abord mes questions. Qui es-tu? Wanei, verser les armes magiques et doter d'une assez bonne réputation, je dois avouer que cela me contraint d'avoir été vaincu par vous. Mes idiots d'amis vont voir de quoi rire à mes dépens. Eh bah tu vois. On m'a envoyé ici pour prendre une gemme magique. On m'a engagé pour récupérer la gemme. Vous ne comprenez pas, j'ai perdu la gemme, je suis récupéré. Qu'est-ce qui est arrivé? Réussi. Donc, j'ai entendu dire qu'Elias convoitait cette gemme d'avoir obtenu cette information. C'est de ne m'intéresse guère. Je me demandais pourquoi elle continuait. Pour être honnête, je ne suis pas les gens patients. J'aime bien faire qu'elle aille fouiller une bibliothèque pour retrouver dans ses descriptions de l'objet qui correspond quoi. Alors, vous pensez que j'aurais le temps d'avoir un diablotin ou un autre démon inférieur pour le faire déblayer le terrain. Mais j'ai pas été si brillant pour voir si elle a réussi à sortir sur des vocations sans problème. C'est connard. C'est grave, j'ai le portail. Il a commencé à ramener ses copains des montants. J'ai bouclé le secteur plus vite et j'ai cuvé mon main. Et la gemme. Dommage, j'ai laissé la gemme dans un coffre. Et les fouilles que j'ai faites ensuite dans ma chambre, dans mes questions, dans une époque qui va me manquer, c'est un peu ok. Vous voyez le secteur fourmi d'adversaires démoniaques et la gemme se trouve quelque part très certainement volée par cet immonde diablotin. Bah cool. Où est ce secteur? La porte là qui se trouve derrière moi vous téléportera là-bas, mais je la garde bien envoyée par sécurité. Bah donne-moi la clé. Prenez la clé, écoutez bien, si vous parvenez à refermer le portail des démons, je vous serai reconnaissant. En tous les cas, la gemme sera à vous, qu'en dites-vous? Allez, on y va. Il faut tuer le diablotin que j'ai invoqué et mettre son modificateur dans le bras zéro d'invocation. Ça devrait régler le problème du portail du diablotin, se nomme Gulgash. On aime voir entre quand vous aurez fermé le portail, en tentant, j'ai l'impression de vous trouver une compense appropriée. J'apprécie ce vaisseau, prenez cette pierre gardienne pour que les serviteurs vous laissent tranquille. Ouah, cool! Et un archon lumineux invoqué. Eh ben, dis donc. Donc, résumons. La pierre se trouve dans un portail qui se trouve juste ici. Pourquoi tu pièges? Pourquoi? Moi, j'ai arrêté de comprendre. Donc il a invoqué un petit démon, il est mignon. Mais j'ai récupéré une pierre gardienne de Weaver, une tour encadrée par les deux branches d'un grand derrière. On peut signer, apparemment cette pierre gardienne permettra de sa tour située au sud de la ville. Oui. Et puis c'est tout, et je suis à 106. Bon, pour l'instant on n'a pas pris énormément de dommages. Ce que je considère déjà comme un miracle. Donc du coup on va faire des vraies sauvegardes. Oui, les 23h, j'ai un peu mis beaucoup de temps. J'ai pris une pause. Une longue pause. Hein. Voilà. On y va Dalin. On est beau, on est fort, on est vaillant. J'espère que t'as affûté ta double hache. Ok. Ok, ça semble être la bite. Bon, Dalin, on reste sur nos gardes. On trouve Gulgash et on est bien. Oh, nique ta mère!
Activer un piège. Bon. Ok, il y a des pièges qui nous attendent toutes les, tous les 5 mètres. Ok. Faire attention. Faire très très attention. Je dirais que Good Guy se trouve par là-bas. Alors, je récupère des potions, c'est cool. Mais je m'en fous. Ce coffre est piégé, je le sens. Je le sens, Dalin, tu es là. Tu es un peu trop loin de moi. Ce coffre est piégé. Même pas. Je suis déçu, tu vois. Bon. Ensuite, il faut qu'on aille par là-bas. Mais là-bas derrière, en fait. Dalin, je ne sens pas ce... Je ne sens pas cet endroit. Tu vois, une salle d'invocation, pour moi, je trouve que c'est... Je pense que ça devrait être un poil plus petit. Là, c'est vraiment un truc taillé. La merde, tout ça. Bon. Dalin, ça, c'est réglé en moins d'une minute. Voilà, déjà, lui, il est mort par son pote. À cause de son pote. Voilà. Alors, ne bouge pas, Dalin. Ne bouge pas, Dalin. Je vais désamorcer le piège. Merde. Non, Dalin, 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 ne fais pas le con. Non, tu as marché sur le piège. Tu as marché sur le piège. Dalin, ne fais pas de bêtises. Ne bouge plus. Là, il y a un levier. Surtout, tu ne bouges pas. Je reprends juste mes esprits. Je dis vague. C'est bon. Dalin, ne bouge pas. Surtout, tu ne bouges pas. Je vais aussi prendre une petite potion. On va activer le levier. Parce que j'aime ça. Abandonnement électrique. J'aime pas ça. Dalin, j'aime pas ça. Pourquoi tu m'as laissé appuyer sur ce levier? Dalin. On va devoir revoir ton contrat. On prend juste la sœur. Go, 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 go. Go, go, ça rame du cul, mais c'est pas grave. Allez. Oula. Il y a eu un truc bleu. Je sais pas ce que c'était, mais ça devait pas être beau. Oh là là, il y aurait une... Non, Dalin, 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 Dalin. Bon bah fou, vas-y, moi je regarde. Ouh, une petite cape. Je prends des choses d'un. T'occupe. Pas de moi. J'ai déclenché un piège, j'ai juste. Je me suis mis un clou dans le pied, t'en fais pas, c'est pas grave. Ouh, un saphir. Oh, oh là, oh la bel objet. Où le. Où il est beau. Où il est beau. Où la belle bait. On y va tranquille, Dalin. On y va tranquille. Les livres ne sont pas piégés, Dalin. Souviens-toi. Tu peux lire des livres. On n'y va pas comme des bourrins, Dalin. On se calme, on se retient. Bon, il y a une bibliothèque. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Mais ne me pose pas la question. Peut-être qu'entre deux invocations, il faut lire. J'ai déclenché un piège, c'est rien, j'ai juste pris un paix dans la gueule. T'en fais pas d'un. Ouh, des shurikens, c'est cool ça. Bla. Ça pèse zéro, mais je leur vendrai. Ok là, on est très très calme, on est sur un pont là. Surtout, tu fais juste attention. Ok, j'ai rien dit, on bourre. On bourre, on bourre, on bourre, on bourre. On fait vite avant que les sorts nous affectent. Bon, là il y a un coffre, c'est sûr qu'il est piégé, Dalin. Parfait, Dalin. Dalin, on est sur une bonne équipe. Va à droite, Dalin. Là, non, non, Dalin, non, Dalin. Dalin, non, bah démerde-toi. Hein, moi je te retrouve après. J'ai juste perdu 31, Dalin.
crochetage échec. Oh putain. Non, non, je prends une potion. Et je t'aide. Ah, ah bah je m'ai mis en pause. Très sympathique de sa part. J'arrive, Dalin, je vais te sauver. Tu as des potions, c'est cool. Putain, on a des molosses des enfers, Dalin. Voilà. C'est pour ça qu'on n'y arrivait pas, Dalin. Il y a un sarcophage. On va pas se cacher, Dalin. Non, on va pas se cacher. Oh, un cœur de Goulgache. Cœur de Goulgache ? Oh, bah cool. Ok, Dalin, on a ici deux sarcophages. Deux sarcophages complètement pétés. On va se poser. Je vais ouvrir celui-là. Fais attention. Voilà. On a une autre cape. Je crois que je n'ai plus de place pour les capes, Dalin. Dalin, je n'ai plus de place pour les capes. On va se reposer. Bon, Dalin, pour le moment, on est aux petits oignons. On a récupéré le cœur de Goulgash qui, bah, finalement, bah, c'était rapide. Voilà. Bon, c'est normal tout ça. T'en fais pas. Tac, ça, c'est un. Les pierres, c'est normal. La chasse de Bardock, oui. Et la route du sud, et blablabla. Et la traque, et blablabla. Je vais désamorcer ce coffre. Sarcophage. Reste, regarde bien là. Il faut enlever les petits rouages des coffres. Est-ce que tu es prêt, Dalin? Une sépulture. Du vin et de la potion. Parfait, Dalin. Bien, et bien, allons-y. Donc, par contre, Dalin, il faut que je sache pourquoi je n'ai pas réussi. Normalement, tu vois, j'ai un 33, mais je n'ai pas réussi, j'ai fait... Voilà. Je ne sais pas, Dalin. En plus, ce coffre est vide, Dalin. Comment tu peux l'expliquer, ceci? Bon, on a le cœur de Goulgash. Ils disent qu'il faut le remettre dans le bras zéro de je sais plus quoi. Ah, il y a des trucs qui se passent. Bon bah ça aurait été une petite quête qui aura duré une petite demi-heure. Attention Dalin à la dalle. Dalin, fais gaffe à la dalle. Et bah ça aurait été cool. Du coup je vais... Ah, le bras zéro d'invocation. D'accord, c'est ça. Alors je vais mettre le cœur. Wow. Non, ça marche pas. Bon, et ben voilà. Impressionnant ce petit effet, je suis sur le cul. Le portail. Elle était refermée. J'ai du mal à le porter. J'ai obtenu une main. Oh, bah cool. Salut. Ouais, mais en fait, j'ai un doute. J'ai une question. Est-ce que tu m'as donné la pierre? L'étoile de Kalisman? Ah, si, la gemme de Wynen. Non, c'est bon. Moi, bon, donc, du coup, j'y vais. Hein. Merci pour tout. Puis, adieu. Et fais gaffe à ta tour. Bien. Et bien, on aura fait une session qui aura duré en tout une petite heure et demie. Ce qui est, ma foi, pas mal. Donc, du coup,
on va s'arrêter là. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette session jusqu'au bout. Et pour aussi la playlist, si vous la prenez maintenant. J'espère que l'aventure vous plaît et que ça va continuer. Je vous invite à la partager d'ailleurs si vous avez des potes ou des amis ou des connaissances qui aiment le RPG. Comme d'habitude, hein, tout blabla habituel. Le like, le commentaire, l'abonnement, tout ça. De checker mon contenu si c'est la première vidéo que vous regardez. Et si c'est le cas, de vous abonner à la chaîne de monsieur sur Twitter, @reus1. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine sur Neverwinter Nights.